En 72 heures, il est tombé 90 mm de pluie sur l'est de la Bretagne. Un record depuis que les relevés météo existent. Des précipitations diluviennes qui ont subitement fait monter le niveau des cours d'eau. 20 heures hier soir, les premières inondations de caves. Il y aura 800 interventions en Ille-et-Vilaine. Comme cette caserne des pompiers d'Assigné, ce matin au sud de Rennes, bon nombre d'immeubles et d'habitations avaient les pieds dans l'eau. Ce soir, des routes sont encore sous l'eau, des chemins départementaux sont fermés, deux nationales en Ille-et-Vilaine sont déviées, la nationale 24 à Mordel dans le sens Rennes-Lorient et la nationale 175 à Béton au nord de Rennes dans les deux sens. Et la météo n'est pas très rassurante, on attend de nouvelles pluies dans les prochains jours. Justement, l'invité du journal ce soir, Michel Martin du Centre Météo France de Rennes-Saint-Jacques, bonsoir. Bonsoir. Alors, 90 mm d'eau en 3 jours, ça veut dire 90 litres d'eau au mètre carré dans les zones les plus touchées, c'est un record du jamais vu, du moins depuis qu'on connaît la météo. Tout à fait, pour la région de Rennes, c'est un record. Et le record le plus spectaculaire, c'est surtout dans la journée de jeudi, puisqu'entre 8h... D'hier, oui, tout à fait. Entre 8h hier matin et 23h, il est tombé 69 mm dans la région de Rennes. Et donc ça, ce sont des valeurs que l'on peut retrouver une fois tous les deux siècles à peu près, ces valeurs de 70 mm que l'on a eues cette fois-ci en l'espace de 24 heures.